Sophia et Saïdi de retour pour les 20 ans de la Star Academy? La chanteuse répond. Interviewée par Télécable Sat Hebdo, à paraître lundi 25 septembre, Sophia et Saïdi a évoqué un possible retour dans la Star Academy pour fêter les 20 ans de l'émission. Révélée au grand public en 2003 lors de la troisième saison de la Star Academy, Sophia et Saïdi a depuis mené une longue carrière aussi bien dans la musique qu'à la télévision. Actuellement à l'affiche des Anti-Gang sur Disney+, avec Alban Lenoir et Jean Renaud, la jeune femme a su conquérir son public grâce à la comédie musicale Cléopâtre, mise en scène à l'époque par Kamel Wally qui lui propose le premier rôle. Si l'ex-candidate de la Star Academy a connu une longue dépression après ce spectacle, son jeu lui a permis de remporter 2 NRJ Music Awards, dont le prix de la meilleure artiste féminine francophone. Un sésame qui lui a ouvert les portes de la télévision mais qui lui a également permis de rencontrer l'amour. C'est en effet grâce à Cléopâtre que Sophia et Saïdi rencontrent le danseur Adrien Gallo, avec qui elle est toujours en couple depuis. Ça m'a semblé essentiel pendant toutes ces années de nous préserver du chahut médiatique. Je crois que j'ai bien fait parce qu'après toutes ces années, je suis toujours aussi heureuse et amoureuse de lui, a-t-elle confié dans Téléstar début septembre. On en discute avec la production. Bien que la jeune femme ait pour l'instant laissé tomber la chanson, beaucoup de ses fans aimeraient la revoir dans la Star Academy. Leur souhait pourrait bientôt être exaucé. Dans elle édition du télécable Sat Hebdo à paraître demain, Sophia et Saïdi s'est en effet confiée sur un possible retour dans le célèbre télécrochet pour fêter les 20 ans de l'émission. On en discute avec la production. J'ai très envie de transmettre et d'aller discuter avec des jeunes de 20 ans, l'âge que j'avais quand j'ai fait la Star AC. Je suis très fière d'être encore là 20 ans après. Finalement, quand on réussit à faire ce métier, on rêve que ça ne s'arrête jamais et j'espère bien que je le ferai encore dans 20 ans et encore 20 après. La jeune femme réserve donc peut-être bientôt une surprise aux fans de l'émission.